Oui, alors, attendez, voilà, coucou, c'est moi. Je voulais parler, enfin, pas parler, mais je voulais vous expliquer, enfin, je sais pas si je voulais, mais je vais le faire quand même. Alors, non, 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 je rigole, parce que t'es bon, le chien, mais tu sais quoi, tu vas te coucher là-bas, parce que c'est pas raisonnable d'être là-bas. Va te coucher, va te coucher. Va coucher, Bibi, va coucher là-bas. Allez, c'est mon chien, le dalmatien, vous le voyez pas, parce que l'écran est trop petit. Alors, je voulais parler. Non, je voulais m'entretenir avec vous du surdoué malheureux et du surdoué heureux, mais très rapidement. Un surdoué heureux est un surdoué qui a un bon environnement. Un surdoué heureux est un surdoué qui simplement a des personnes bienveillantes autour de lui. Un surdoué qui a le cafard, qui a envie de mourir, qui ne se sent pas bien, c'est simplement, je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est simplement un surdoué qui ne se sent pas bien. C'est simplement un surdoué qui est mal entouré, qui est entouré avec des personnes très rationalisantes, sont des personnes qui pensent faire le bien, des personnes chiantes, quoi. Et le surdoué, lui, il a besoin d'émotions, il a besoin qu'on reçoive ses émotions, il a besoin d'être entendu dans ses émotions. Comme mon chien, et tu vas aller te coucher, Bibi. Non, mais c'est bon, va te coucher, va te coucher, on est en train de bosser. Bon, allez, reste là, bouge pas. Et donc, c'est juste cette petite parenthèse qu'un surdoué qui se sent mal, c'est un surdoué qui est mal entouré. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez simplement comprendre, regarder, observer les couleurs qui vous entourent, les odeurs qui vous entourent, les parfums, quand je dis odeurs, c'est parfum, les parfums qui vous entourent, est-ce que vous pouvez voir tout ça pour voir comment vous rendre plus heureux? Comment vous rendre plus heureux? Et malheureusement, c'est très complexe, c'est que souvent, ce sont des surdoués qui ne sont pas avec les bonnes personnes. Et vous pouvez être très malheureuse de ne pas être avec les bonnes personnes. Et je voulais juste dire ça, changer de personne, trouver des personnes. Alors c'est facile à dire, et ben venez, on a zen.raymondazan.com, qui est un réseau qu'on est en train d'affiner. D'ici un mois, il y aura plus de choses. Et ne restez pas entouré avec des personnes qui ne vous comprennent pas, ça rend extrêmement malheureux le surdoué. Le surdoué a besoin des éléments vitaux, c'est-à-dire la bienveillance, la gentillesse, le partage et l'échange. S'il n'y a pas ces éléments-là, les couleurs, les parfums, s'il n'y a pas ces éléments-là, et la terre, le feu, l'eau, s'il n'y a pas ces éléments-là, le surdoué est malheureux. Alors ne soyez pas malheureux, entourez-vous bien, venez à la ferme, venez chez zen.ramondazan.com, il y a d'autres aussi sites où il y a des rencontres, ne restez pas seul, allez vers les autres. Évidemment, c'est difficile de reconnaître des surdoués parce qu'à mon avis, les surdoués se croient, enfin tout le monde se croit surdoué en ce moment, c'est très à la mode, mais peu importe. Peu importe, ce sera à vous de définir. Voilà, je vous embrasse, soyez heureux, arrêtez d'être malheureux. Bisous!